Les nouvelles opportunités d'emploi attirent souvent des métiers nouveaux qu'on ne connaissait pas dans ces localités-là. Finalement, les populations abandonnent toutes leurs activités traditionnelles telles que l'agriculture, l'élevage et la pêche pour s'adonner maintenant aux nouveaux métiers qui sont proposés par les projets miniers. Donc finalement, c'est des métiers qui ne sont pas souvent durables, mais les revenus ne sont pas aussi équitables pour toutes les familles. L'accroissement des fluctuations de devises peut aussi miner la compétitivité des exportations traditionnelles de matières premières dans des localités qui abritent les projets miniers. C'est valable aussi pour les entreprises locales. Elles font souvent face à une concurrence avec d'autres entreprises en termes d'approvisionnement. Et naturellement, les compagnies ont des cahiers de charges qui les obligent ou bien qui les orientent beaucoup plus vers les entreprises les plus sophistiquées et qui ne sont pas souvent des fournisseurs nationaux. Donc, cela aussi constitue une entrave à l'économie locale. Mais il faut le dire, beaucoup d'études ont prouvé que le secteur des ressources naturelles est souvent susceptible d'être un espace de corruption de haut niveau, mais aussi de malgouvernance. Les fonds sont détournés vers des comptes en banque privée ou ne se traduisent pas du tout en avantage pour les populations locales. Donc, cela reste une préoccupation fondamentale aussi quand on analyse les impacts. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont prêté une attention forte à cette question-là, y compris les organismes internationaux, ou que ce soit au niveau africain ou que ce soit au niveau international. C'est ça qui a créé toutes ces initiatives ou tous ces mécanismes de gouvernance. Vous vous rendez compte que si vous comparez les secteurs extractifs aux autres secteurs, c'est ici qu'on a beaucoup plus de mécanismes de gouvernance parce que la malgouvernance, la corruption constituent des fléaux fondamentaux dans ce secteur-là. Vous verrez que pour chaque région, pour chaque pays, il y a une multitude d'instruments de gouvernance du secteur extractif. Le fait que ce secteur ne se traduit pas souvent en avantage pour les populations est très perceptible dans des pays comme le Nigeria, par exemple. Vous avez vu de plus en plus un pays aussi vaste et grand, avec des richesses en pétrole assez importantes dans le delta du Niger, mais malheureusement, cela constitue beaucoup plus une source de conflits et de problèmes que des avantages économiques. Les populations locales voient souvent leurs moyens d'existence et de subsistance dégradés parce que les compagnies impactent le sol, impactent l'eau. Naturellement, les activités traditionnelles génératrices de revenus comme l'agriculture, la pêche, l'élevage sont souvent menacées. Et la situation est souvent pire quand les activités minières ont lieu dans des zones qui sont déjà habitées par les populations qu'on disait ou qu'on appelait populations marginalisées, quelle que soit la forme d'exclusion ou de marginalisation ou de discrimination que vivaient ces populations. J'ai évoqué tout à l'heure le cas des populations indiennes en Amérique latine et beaucoup d'autres minorités en Afrique. La présence des mines engendre aussi la perte d'accès à l'eau potable. Je l'ai mentionné, aussi bien les eaux souterraines que les eaux de surface sont souvent menacées par les produits toxiques que déversent les compagnies minières. Alors, comment tout cela se traduit dans le contexte du changement climatique? Tous ces impacts sur l'écosystème, vous verrez que ce sont des constituants de notre climat. Donc, naturellement, les projets extractifs à forte émission de gaz à effet de serre ont naturellement un impact considérable sur le climat. Donc, c'est pourquoi l'étude d'impact environnemental a souvent ou inclut souvent une évaluation de l'impact du carbone de ce projet-là. Donc, de plus en plus, les études d'impact environnemental sont assujetties à ces évaluations de l'impact en termes de carbone
des projets extractifs. Vous verrez que, d'abord, la perte d'absorption de CO2 par les forêts et la végétation qui ont été abattues, naturellement, impact sur le climat. Les CO2 émis par les machines, parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, les projets extractifs en un certain moment, notamment dans la construction et dans l'exploitation proprement dit, utilisent beaucoup de véhicules roulants, que ce soit les camions, que ce soit pour le transport, l'usine elle-même. Donc, il y a une forte émission de CO2 par toutes ces machines. Finalement, c'est du carburant fossile qui est utilisé. Naturellement, cela constitue une menace à notre climat. Mais aussi, au moment de transformer les minerais, c'est des procédés techniques métallurgiques qui sont souvent utilisés et qui constituent une menace fondamentale aussi à notre écosystème, mais constituent une sorte de pression sur le climat, ce qui fait que naturellement, vous verrez que les projets extractifs, de plus en plus, ont un effet néfaste sur l'ensemble du climat et partout dans le monde. Et c'est pourquoi, dans les années récentes, depuis les accords de Paris, on a constaté que les industries extractives, des études ont révélé que les industries extractives constituent au moins 50% des sources de pollution ou bien des sources de menaces de notre climat. Alors, comment on pourrait s'attaquer à ces menaces ou ces impacts des industries extractives sur le climat? Nous sommes dans un contexte où on parle davantage de transition énergétique. Mais on va faire un peu d'histoire. Déjà en 1992, les États ont décidé de se réunir à New York pour adopter une convention. Alors, ce sont des conventions qui aujourd'hui visent à stabiliser tout ce qui est concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche la perturbation anthropique dangereuse du système climatique. En 2015, à Paris, la particularité, c'est qu'ici, il y a beaucoup plus d'États qui se réunissent et s'engagent à apporter une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques. Et parmi les mesures, il y avait cette mesure qui consiste à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius, de renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes. Et ensuite, la COP21, on l'avait appelée comme ça, avait fixé un cadre de soumission des contributions prévues déterminées au niveau national, sur la base du principe des responsabilités communes, mais de façon différenciée. Toujours avec la combustion du charbon, l'industrie, et c'est des études qui l'ont révélé, est responsable d'environ 32% des émissions mondiales à gaz à effet de serre. Et ces émissions proviennent à la limite majoritairement de l'exploitation minière, des zones d'affinage et tout. Alors, ce qui fait que tous ces défis posés par les changements climatiques représentent une menace importante pour l'industrie minérale au niveau mondial, parce que naturellement, il faut aller vers une réduction drastique des projets miniers, pétroliers et gaziers dans le monde pour pouvoir sauver les populations dans un contexte de changement climatique assez pressant. Les coûts de l'énergie représentent aujourd'hui une part importante du coût total des intrants du secteur extractif. Ce qui fait que naturellement, cette énergie, si elle n'est pas une énergie propre, ce n'est pas demain que ce secteur-là va arrêter de menacer notre climat. Alors, regardez par exemple quand l'Association internationale de l'énergie pense qu'en 2030, la demande d'énergie va augmenter de 66% et que les combustibles fossiles vont rester encore la principale source. Donc naturellement, nous allons vers une menace assez considérable de notre climat, mais aussi de la survie
des êtres sur la planète. Donc, ce qui fait que, en termes de mesures, c'est que le secteur extractif doit soutenir tous les efforts, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, de lutte contre le changement climatique. Ça, c'est impératif. De plus en plus, on doit réduire ou éliminer tout ce qui est projet de production de pétrole et de gaz. Ça aussi, de façon progressive, naturellement, pour que cette transition-là soit juste et équitable. Parce qu'il y a beaucoup de pays, et notamment appelés pays sous-développés ou en voie de développement, qui dépendent considérablement, dont l'économie dépend considérablement de ces ressources. Malheureusement, si de façon assez brusque, on interrompt tous ces projets-là, c'est des conséquences économiques assez difficiles que ces pays devront vivre. Donc, c'est pourquoi il faut aller progressivement vers cette transition-là, qui consiste à réduire la production des sources d'énergie, notamment fossiles, à travers le gaz et le pétrole. Donc, la réalisation d'un avenir sans carbone sera plus gourmande en matériaux que les technologies des combustibles fossiles qui offrent des possibilités dans ce secteur. Sauf que il faut encore faire beaucoup attention dans ce processus de transition énergétique parce que cela va nécessiter une exploitation massive de d'autres formes de minerais, ce qu'on appelle les minerais de transition, tels que le lithium, le cobalt. Ce sont des minerais dont nos pays sont encore riches. Je crois que c'est une alerte fondamentale de l'ensemble des acteurs de considérer que l'exploitation de ces minerais-là, naturellement, va constituer des nouvelles orientations de beaucoup de compagnies et malheureusement, cela ne réduira pas ou n'aura pas d'impact considérable sur les efforts qui sont en train d'être consentis dans le secteur du climat. Ce qui fait que de nouvelles technologies sont nécessaires pour aujourd'hui pouvoir réduire la contribution ou la pollution qui découle de l'exploitation des ressources naturelles. Il y a des mécaniques ou des mécanismes d'exploitation qui existaient avant. Je crois que les compagnies, avec la technologie, devraient aller vraiment vers une modernisation de ces approches-là. Donc, il y a, par exemple, la réduction du broyage et de la concentration, des systèmes de transfert ou de transport plus efficace maintenant, qui pourrait au moins réduire la pollution, etc. Et accroître l'utilisation des sources d'énergie sans carbone, telles que les énergies propres, l'éolienne, le solaire, l'hydraulique, le géothermique, tout ça, constituent aujourd'hui des sources d'énergie qui peuvent être des alternatives. Mais aussi, le système de pollueur-payeur peut, en un certain moment, consister à décourager ceux qui polluent le plus, c'est-à-dire ces compagnies-là. Alors, des mesures de prise en charge sont souvent envisagées soit à travers les instruments juridiques qui encadrent le secteur ou soit à travers des initiatives internationales visant à réduire les impacts sur l'environnement. De plus en plus, il y a beaucoup d'associations dans le monde, beaucoup d'acteurs qui sont radicalement contre certains impacts environnementaux et sociaux et se mobilisent de façon considérable pour cela. Alors, le plan de gestion environnementale et sociale constitue le premier recours parce qu'une fois que les études d'impact environnementaux et sociaux sont effectuées, ces études doivent être suivies de ce qu'on appelle des plans de gestion environnementale ou plans de mitigation des risques. Et souvent, c'est soit des mesures d'évitement qui sont prises, qui consistent bien sûr à modifier le plan initial des projets de sorte qu'il puisse réduire son impact négatif sur l'environnement. Ou bien c'est des mesures de réduction, autant que possible, la durée ou l'intensité même des activités extractives, ou c'est des mesures de compensation. Par exemple, c'est des mesures qui consistent à améliorer l'état de conservation des habitats, des espèces, c'est-à-dire c'est de voir certaines zones qu'il ne faut pas toucher, c'est des zones tampons par exemple,
qui pourra au moins permettre à certaines sortes de, disons, d'individus de pouvoir se reproduire, que ce soit dans le milieu marin ou que ce soit dans le milieu continental. Donc, c'est une plaquette de mesures que les compagnies peuvent aujourd'hui adopter au moins pour réduire les risques de tout ce qui est impact sur l'environnement. Les modalités d'application de chaque mesure d'atténuation, son calendrier et la durée ont des coûts naturellement. Tout ça et toutes les mesures que je viens de vous présenter tout à l'heure ont des coûts. Mais il ne faudrait pas que les retombées des compagnies soient considérées comme plus importantes que la survie de l'écosystème, y compris des êtres humains. Donc, naturellement, il faut qu'il y ait des arrangements institutionnels entre les différents acteurs, de sorte que chacun se retrouve dans ce qu'ils appellent le deal, pour que les compagnies ne soient pas lésées de façon considérable, mais aussi que les populations et les États qui accueillent les projets puissent au moins survivre et tirer profit de ces projets-là. Alors, les mesures, on peut les classer sous deux types. Il y a ce qu'on appelle les mesures générales, c'est-à-dire c'est le fait d'insérer dans les documents d'appel d'offres tout ce qui est clause environnementale, c'est-à-dire que quand une compagnie doit s'installer, on lui définit à l'avance les clauses environnementales qu'elle doit respecter. C'est encore des mesures réglementaires. Et il y a une panoplie d'instruments qui visent aujourd'hui à respecter l'environnement. Je crois que cela constitue aussi une mesure fondamentale si on oblige les compagnies à respecter ces instruments-là. Il y a les mesures liées à l'information, l'éducation et la communication. Ça commence déjà à partir de la consultation des communautés, mais aussi progressivement avec les compagnies, il faut les sensibiliser pour qu'elles puissent prendre en compte certaines réalités qui sont purement locales de ces populations relativement à l'environnement, à la vie sociale, mais aussi à l'économie. Et il y a les mesures institutionnelles. Vous verrez que dans la plupart des pays qui abritent des projets miniers, les ministères de l'environnement avec à l'intérieur les directions de surveillance et de contrôle travaillent en étroite collaboration avec les ministères en charge des mines, de sorte qu'on puisse réduire au moins les impacts négatifs des projets extractifs. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les mesures spécifiques. C'est de voir pour des impacts précis apporter des mesures précises pour ces impacts-là. Si c'est sur l'eau, par exemple, c'est de prendre des mesures qui sont carrément liées à l'eau. Si c'est sur le sol, etc. Donc, c'est des mesures comme ça qu'il faut prendre. Donc, ce sont des mesures spécifiques. Elles peuvent être des mesures de renforcement de capacité ou bien des mesures d'accompagnement, même sur la logistique à utiliser afin de réduire les risques sur le climat. Donc, les mesures générales, je l'ai dit tout à l'heure, impliquent les clauses environnementales dans les dossiers d'appel d'offres et certaines clauses sur les activités même de chantier que les États peuvent définir. C'est des mesures aussi qui peuvent être des mesures réglementaires ou légales à travers les législations des différents pays. Donc, les pays élaborent souvent ce qu'on appelle des codes de l'environnement, en plus d'un des codes qui encadrent l'exploitation des ressources, qui, toutes les deux, disposent des mesures réglementaires qui au moins vise à réduire l'impact sur l'environnement. Mais souvent, on observe des manquements ou des lacunes dans beaucoup de pays d'ailleurs sur cette réglementation environnementale ou toutes ces mesures que je viens de citer, parce que souvent, on n'a pas les moyens nécessaires de pouvoir surveiller correctement les projets extractifs ou de contrôler de façon efficiente les projets extractifs. Parfois, c'est un problème de moyens qui est avancé dans certains pays ou d'autres. C'est que les fonds qui ont été versés par la compagnie ont été utilisés par les États à d'autres fins. Finalement, quand il arrive de fermer la mine, la restauration ou la remise en état n'est plus effective parce que les fonds ne sont plus disponibles. Ou bien, c'est les capacités même techniques qui ne sont pas suffisantes dans certains pays pour pouvoir au moins réhabiliter ou restaurer le sol tel qu'il était.
Donc, ça, c'est fondamental. Alors, les mesures spécifiques, je l'ai dit tout à l'heure, soit des mesures d'information, d'éducation et de communication à l'endroit de tous les acteurs, pas tout simplement à l'endroit des compagnies, mais aussi à l'endroit des populations pour éviter de s'exposer à certains risques. Alors, pour chaque forme d'impact, je l'avais dit tout à l'heure, il y a au moins une sorte de panoplie de mesures qu'on pourrait prendre, que ce soit sur les eaux, que ce soit sur la qualité de l'air, à chaque type d'impact, les mesures qui correspondent. Et donc, c'est la même chose qui continue. Pour la contamination du sol, il y a des mesures qui sont prévues. Pour la gestion de la faune et de la flore, même chose. Pour la restauration du paysage, il y a des mesures adéquates qui sont prévues à ce niveau. Donc, voici les quelques éléments que nous souhaitions partager dans ce présent module qui est relatif aux impacts environnementaux, sociaux et économiques des projets extractifs. En résumé, dans la plupart des pays qui accueillent les projets extractifs, il y a un arsenal juridique et politique qui exige une évaluation environnementale et sociale pour les activités. Et à côté, les compagnies doivent présenter un plan de gestion environnementale. Mais toujours est-il que les mesures ne sont pas souvent suffisamment respectées pour plusieurs raisons, dont le manque de capacité, le manque d'information, le manque de moyens techniques et financiers pour pouvoir au moins réhabiliter. Donc, ce qui fait que les répercussions sur l'environnement et sur la société de façon générale sont souvent catastrophiques et peuvent avoir des implications sur la santé publique pendant de longues années. Comme dans le module précédent, nous avons quelques références qui nous ont permis de glaner toutes ces informations-là. Vous pouvez avoir accès à ces sources d'informations-là à travers les références que nous venons de mentionner ici. Mais aussi, si vous allez dans vos pays respectifs, il y a les codes de l'environnement, les codes miniers, pétroliers, gaziers, il y a les études d'impact environnemental et les plans de gestion environnementale de ces compagnies-là. Prenez le temps de les lire, jetez un coup d'œil, vous comprendrez en détail quelles sont les obligations, quels sont les instruments qui sont prévus pour encadrer la gestion des ressources naturelles, la relation avec l'environnement, la vie sociale et la vie économique. Donc, voici les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, des contributions, c'est un espace de partage. Mettez-les sur la plateforme et nous échangeons, nous continuerons d'échanger pendant tous les prochains 15 jours sur cette question. Et même de façon continue, on pourra échanger parce que à travers le réseau public, ce que vous payez, et l'ensemble de ses partenaires, nous sommes engagés pour une gouvernance des ressources naturelles de sorte que les générations d'aujourd'hui et de demain puissent bénéficier des retombées des ressources naturelles de leur pays. Je vous remercie.